Anaki, c'est le meilleur Link que j'ai affronté. Et c'est d'accord. Vraiment chaud. Son grappin combo en donner. Ok, j'ai vu que le grappin ramenait l'adversaire ouais, même dans les airs, c'est marrant. Tu combo après. S'il me semblait, je sais que tu fais faire des trucs avec, voilà, genre comme ça. Ouais, avec le down smash, j'ai brisé, trop le grab. Le OB malheureusement qui passe pas, mais ça commence, Tuka. Ça commence. Vénère. Donc là, tout l'intérêt de Wolf, d'arriver dans le Link, il lui met une pression telle qu'il ne peut rien. Il ne peut rien faire. On est d'accord, le FR qui passe très bien. La flèche bien visée, non, dommage, un poil en retard. Oh. Peck qui a perdu contre Bai, alors sort que Bai c'était Doraki. Donc Doraki c'est un très bon joueur français également de la scène Smash sur Melee en fait. Très très bon Fox. Il a tiré Dracofeu. Il joue Dracofeu et du coup il a éliminé Tech. Il a voulu faire comme Zen. Mais il a pas le niveau de Zen. Il est pas là. Je sais pas où il est. Du coup, ça se tourne un peu autour. La première vie du coup perdue pour le Wolf. Donc le Felker qui a un petit avantage quand même. Encore une fois, sur Jabrizet, comme il faut. Up tilt. Non, pas un deuxième. Il aurait pu pourtant. Il utilise bien son arsenal. Felker, c'est bien joué. Felker, c'est très bien joué. Son Link, il le connaît, ça se voit. Il sait ce qu'il fait. Joli up B. Neutral qui passe pas, encore up B dans l'autre sens cette fois-ci. La flèche, bam, ça passe en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Le neutral, ça couvre. Ça couvre encore, même en culant le fer. Perch. Malheureusement, Wolf, un peu en galère. Car Lux met vraiment bien sur lui. Je l'ai pas vraiment optimal. Je pense pas non plus, en effet, il peut pas le coincer sur les plateformes pour comboter avec. Regarde ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, Link à mi-distance, il le ramène vers lui, à loin de distance, il balance les projectiles. Si jamais il se rapproche par le dessus, il a le B. Vraiment, il te laisse pas approcher. Si tu prends un bon moment au corps à corps, c'est direct le combo. Ah mais il fait mal. Link dans ce jeu là, enfin un vrai Link dans un foutu. Et c'est triste, mais le seul jeu où Link est... Le seul Smash où Link est bon, ce n'est pas un Smash officiel. J'avoue, pauvre Link. Il n'est pas bon dans Smash GAT, il n'est pas bon dans Melee, il n'est pas bon dans Brawl, et il n'est pas bon Smash GAT. Ah, Sakura, il n'aime pas Zelda. Par contre, les persos secondaires, ils aiment bien, hein, parce qu'il y a toujours un perso secondaire qui est pété dans ça. Ouais, bizarrement, il aime bien Metal Knight. C'est pas comme si c'était le père de Kirby, mais ah bon, oui, ça après. Grillé. Bon, et le plaque au sol comme il faut, le petit up-tilt, le deuxième. La dash attack, malheureusement, il enchaîne pas une troisième. Il prend assistance, le grand. Le match de Link, c'est celui-là. Mais regardez-le comme il enchaîne les coups, hein. Il fait un coup lent, un coup rapide, il saute, machine. Et cette flèche qui est de car. Une brute. Un monstre, un tank. Le barrage. Boomerang, bombe, arc, boomerang. Tu passes pas. N'approche pas. N'y pense même pas, mec. Il est en bas sur Smashville. La plateforme sera peut-être d'utilité pour passer au-dessus de ce mur. En effet, ça peut peut-être l'aider du coup à essayer bien de faire le tour, ce genre de choses. Link n'a pas un autre shield assez très bien. Ah bon? Non. On peut faire des grosses pressions sur lui. Son bouclier pète vite. Facile de faire de le stabber ou quoi du coup. Je prends un exemple. Falcon fait très mal à Link. D'accord. J'ai toujours eu mal contre les Falcon, Link. Il paraît que c'est ta bande son, toi. Il paraît que c'est ton jeu avec ta bande son. Tu mets ça, du bastion un peu. Oui, ça. Ouais, c'est ma ça. C'est marrant. Je crois que c'est un set que j'ai pris au hasard. J'en avais marre de musique, j'ai pris un set au hasard. Il est sympa ce set, il est sympa. Sur mon autre Wii, c'est Dreamland en HD refait. Ouais. J'ai oublié plein. Dommage. Ça aurait été sympa, j'aurais été curieux d'écouter ça. Bon, du coup, en tout cas, pas mal de petits bons encore une fois, mais là. C'est équilibré, hein. La plateforme, ça change tout, hein. Ça devient plus difficile en effet, hein. Lui, il arrive à faire des combos plus simplement sur le dessus. Et le plaque au sol. Le Wang qui revient, qui deny le combo. Il le veut, hein. Dommage, la texture place qui évite le. Qui permet au Wolf de faire. Il t'attrape de loin, il glisse sur le sol et il te ramasse. J'avoue, puis il fait mal en plus, hein. Le Shine, mais qui malheureusement n'enchaîne pas assez. En effet. Surtout qu'il avait pas assez de pourcentage, t'as son Link qui était pas enlevé assez loin, pas beaucoup de stun, donc il peut vite réagir derrière, c'est risqué. Ce Link est un peu chaud. C'est Link. Regarde. C'est pas fait exprès. Mon dieu. L'up smash qui passe, le père, bam, le petit dommage, double hit, du coup ça a trade. Il renvoie le boomerang. C'est ce qu'il faut parfois, c'est ce qu'il faut. Hein. Là, il est plus à l'aise. Hein. Le boomerang, la flèche. Dès que Link vient pas à sa place là, il fait pas son marché là. Ah non, pas le moins du monde. Le neutral qui passe bien, l'avant B, non. Donne un smash. Yes. Passe au-dessus. La dash attack qui passe bien pour le moment, il le coince. Malheureusement, Brunk dans le mauvais sens. Il essaie de l'avoir sur le retour, mais ça n'a pas suffi. Ils sont assez stressés là. Ça sent. C'est trop. La ligne normalement n'est pas mort.
Oh, dommage. Je veux dire qu'au lieu de viser avec son grappin, essayer de sweet spot avec son autre bœuf. Et la vise sweet spot, peut-être, est-ce qu'il a essayé de toucher le wolf pour être tranquille, ouais, je sais pas. Il a touché le wolf. La c'est sécurité, vrai. C'est de faire un coup de grappin. C'est clair. C'est ton auto sweet spot, autant faire. Après, je sais qu'il est assez court quand même dans ce jeu-là, donc c'est un peu compliqué parfois si tu sens un peu loin. Ça va. Ça va. C'était à portée de bête aussi à portée de grappin. Ok. Du coup, pour le moment, en tout cas, c'est deux stocks, c'est assez chaud. Link qui revient difficilement sur le terrain. Un bon spécial. Ouais. Ah, Faker. Malheureusement, Shen qui fait bien pour le moment ses petites techs pour s'écarter. Je sens qu'il avait un peu compris comment passer. Le roulade. Il a du mal à suivre ce côté-là, il a du mal à le suivre. Les deux darts se cherchent. La dash attack. 3 dash combo, mais c'est mêlé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'entends mêlé. Ça le fout. Grabalon, ça passe pas. Le Shine un poil trop tard, trop tôt le Smacho. Il aurait pu l'avoir avec ça. Il aurait pu faire un upper, la passe. L'hashtag qui passe et le upper. C'est la fin du Wolf. Ah, Link a l'avantage maintenant. Peut-être la dernière vie pour Shine, on va voir ce que ça a donné. Là pour moi ça part pas trop mal. Ça se tourne autour sans se tuer, c'est vraiment dommage. Là il avait une petite occasion, mais toujours il. Shen, à chaque fois après ce grab bas, Shen maintenant fait une tech extérieure et à chaque fois, malheureusement, Faker punit une tech sur place. Pas au point sur ses punitions. C'est ça, il devrait aller dessus en fait. Il est au point. Smash. Ça, c'est sa spécialité, il adore. Enfin, si l'autre ne fait pas un crush cancel, il prend le down smash. Ah, c'est marrant, ça je savais pas, d'accord. Bam, boomerang, dash attack, reboomerang, le grab qui passe pas malheureusement. Le petit neutral, juste ce qu'il faut. La flèche dans le mauvais sens. Est-ce qu'il a la flèche encore une fois? Dommage, mais belle spot dodge. Oh. Et là, bam, ça commence à combo là. Oh là. Ça commence à faire violent, mal. Ça. Malheureusement, ça va pas oser le suivre. Oh, le grappin. Ah, dommage, le der, il avait une occasion. Ça veut trop tuer là. C'est la fin du match, je sens qu'il veut gagner. Là. Il va en finir. Le bobé qui passe, le boomerang qui passe, normalement le fernand. Le boomerang, le bear encore une fois, non. La dash tag qui passe pour le moment du coup sur chaîne. Là ça le fait rebondir au sol. Et le B fatal. Fatal. Et ça fait stopper instant ce match. 2-0. 2-0 du coup. Pour Faker qui a battu du coup chaîne loup de Pontoise. Un peu dommage. Du coup, je comprends que t'allais jouer avec Jagoff toi. Ouais. Il est là Jagoff. Est-ce que Jagoff est dans le coin? Je sais pas, mais faudrait peut-être aller chercher de toute façon pour avancer. Hein. Histoire de. Donc là. En tout cas, ça fait plaisir de voir un Link comme ça, moi j'aime bien. En plus, il est propre, dommage, je suis pas encore au point. Même pas un très très bon Link. Mais je veux bien le croire, je veux bien d'excellence. Croire. Bon, encore plus cheaté. Tu peux aller chercher des adversaires avec des autres alertes avec Link. D'accord. Il y aura longtemps. Autre alerte. Bon, job. Y'a qui comme bon joueur de. Y'a qui comme bon joueur à de Link en France, tu connais, ou même en Europe? En France. Parce qu'en France on a Aether sur Melee. Ouais. Mais je sais pas s'il joue à PM. Je sais pas. France je connais pas. Je connais juste l'anglais. Anaki. Anaki, d'accord. Du coup Anaki, très bon joueur de Link. Ouais, c'est genre un de leurs top players. D'accord, ok. Les profs pro, ils trouvent que Link c'est cheaté, faut le nerf. Ah bon? Ouais. Prof pro, il joue Snake, il se la ramène. Ouais mais c'est pas Snake cheaté. Ça reste Snake. Il nerf quoi qu'il arrive. Alors le money match, Rolex arrive. Rolex Pro Pro. Ouais. Ah il était magnifique hein. Non mais ils refont la revanche. Ils refont la revanche. Ils la refont quand? L'Apex. Apex Prof Pro Rolex. Ça commence déjà à part 2 sur Twitter. Bah, oh merci, on accepte une donation pour l'Angleterre, c'est gentil. Parce que j'avoue qu'il avait bien gagné la dernière fois pour Pro contre Rolex. Exactement, hein. Et c'est salé et tout. C'était en fait pour la petite histoire, Rolex et Pro.